Mais tout de suite, cher public, je vous rappelle le principe de l'émission. Ce soir, c'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez d'éliminer ou de laisser courir ces bruits qui courent. Mais tout de suite, je vous demande un max de bruit pour les bruits qui courent de Milan. Nous allons commencer tout de suite par le bruit qui court numéro 1. I got you, sweetie. Bonsoir, pouvez-vous dire au public votre nom? Je m'appelle Michael Jackson et vivant. D'accord, Michael Jackson est vivant et vous venez d'où? Je suis née sur le site Vast.com et j'ai pas mal voyagé. Je suis passée par MySpace, Facebook, DirecTweet, Gala, VRB. D'accord, très bien. On passe au bruit qui court numéro 2. Bonsoir, qui êtes-vous? Je m'appelle Kevin, il kiffe la prof de français. D'accord. Et Kevin, il kiffe la prof de français. D'où vous venez? Ah, je viens de la bouche de Sabrina. Mais je suis passée par toutes les bouches et toutes les oreilles de la classe A312. Ok, c'est cool. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Je m'appelle, cette année, le bac est annulé. Ah bon, d'accord. Vous venez d'où? Oh, je ne sais pas, ça fait quelques années que je tourne un peu partout. Ok, c'est cool, on s'en fout. Alors tout de suite, tous les trois, préparez-vous, ça va être votre moment. Cher public, ces trois bruits qui courent de talent vont avoir 30 secondes pour vous convaincre. Et je vous le rappelle, c'est vous qui votez. De vous seul dépend la vie ou la mort de ces trois bruits qui courent. À partir du jingle, les 30 secondes commencent. Attention! Ouais! Il est vivant, je vous dis, il y a des photos de lui dans Closer, c'est un fan qui les a pris. Mais je vous jure que Kevin et Kim l'ont prof de français. Mais cette année, il n'y aura pas d'épreuve du bac, les enseignants et tous les profs vont faire grève pour protester contre les bases d'études de l'éducation nationale. Il avait un chapeau et une moustache, ça fait une merde, c'était lui. Essaye de faire tomber son stylo pour voir sous la culotte de la prof. Il n'y aura pas d'examen cette année, c'est le neveu du prof de maths et la cousine du prof de sport qui l'ont dit, vous savez. Ils sont très très bien renseignés. Alors ça ne fera rien de réviser. Sortez, amusez-vous, allez sur les Champs-Élysées. Allez à l'espace Carver. Sortez, il n'y a rien. Et voilà, c'est terminé. Mais j'ai pas fini là, le temps est écoulé. Cher public, maintenant c'est à vous de jouer. Pour éliminer Michael Jackson est vivant, tapez le 1. Pour éliminer Kevin Kiff, la prof de français, tapez le 2. Et pour éliminer cette année le bac est annulé, tapez le 3. Les bruits qui courent vous font marcher. Stoppez-les. Que d'encouragement. C'était le groupe numéro 7 dans Incroyable Rumeur 2011. Et c'était interprété par le CFA Bureautique Appliqué IGS. Voilà. Qui sont venus ce soir en nombre. C'est d'ailleurs très bien. Vous avez dû garer les bus juste devant, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Le thème choisi, la préoccupation des jeunes. Donc ces jeunes sont en BTS profession immobilière ou en bac pro secrétariat. La mise en scène est de Eve Weiss, interprétée par Sarah, Michael, Fatima et Jaël. Bravo à eux.